Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deus Ex Human Revolutions. D'ailleurs, je me viens de me poser la question juste avant, mais est-ce que je vous avais dit qu'en fait Deus Ex Human Revolution n'est pas du tout le premier Deus Ex, mais que c'est des jeux qui sont sortis sur PlayStation 2 et PC, des jeux FPS futuristes qui sont bien plus vieux que celui-ci et qui sont sortis sur PlayStation 2 et PC, je crois. Mais bref, et que je n'ai jamais testé, et qu'il y a eu une suite à celui-ci qui s'appelle Mankind Divide, ou l'humanité divisée, et c'est la suite de celui-ci, est sorti sur PS4 en 2016, on obtient une bière là, très bien. Ça c'est pour augmenter les PV, on va la boire, tiens. Bière, utilisée, voilà. Oh, voit tout flou. Bref, donc voilà, on est passé de 100 PV à 105 PV en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous pouvez le voir. Tac, ça c'est pour l'analgésique, c'est pour la vie. Et quelque part il y a des crédits cachés, si tu peux te comprendre, parce que oui, il y a un principe bien évidemment de... Il y a un principe de marchand dans le jeu, donc voilà. Les crédits, boum, on a récupéré 56 crédits. Nos crédits sont... Ici on en a 2556. Voilà, c'est pas mal. En termes d'XP, on en a 680 comme je viens de voir là. Et la prochaine dynamisation suivante, c'est 4320 XP encore. Bon, on a le temps. Bon, allez. Jensen, c'est moi, Pritchard. Où êtes-vous? Sur un toit qui domine l'usine. Bien. Oui. Votre point d'infiltration est sûrement le service manutention. Sûrement, Francis? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une entrée pour les employés. Sans doute bien gardée par les puristes. Oui, alors, sans si doute. Si vous voulez éviter l'assaut frontal, je crois que vous pourriez passer par le toit du bâtiment. Ouais, on va passer par le tour du bâtiment, t'as raison. Bon, on va tenter le... On va essayer de voir ce que ça donne, ce pistolet. Alors, il y en a un là. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est puissant. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va récupérer du coup un pistolet 10 mm. Oh, j'adore la manière dont il le range. Vas-y, recharge. Tu peux pas, t'as pas. Ok. On peut aussi fouiller les corps. Donc là il y avait des crédits et une barre cyberboost pro énergie. Donc du coup on a récupéré un pistolet de base, pistolet que vous allez me voir utiliser beaucoup de fois dans ce jeu. Parce que c'est l'arme que j'utilise, c'est mon arme principale dans le jeu, ce pistolet. Mais après tu peux mettre un silencieux dessus, parce que là si je tire dessus avec il fait beaucoup de bruit. Donc heureusement qu'après je peux mettre un silencieux dessus. Ah vraiment, par contre c'est vraiment de courte portée en fait. Ah c'est pas... Ah, ils se foutent pas de ma gueule. Merde, je me suis fait voir. On ramasse ça. Mais ça sert à... Attends mais... Par contre oui c'est bien mais c'est de courte portée et ça c'est un peu relou. Tiens on va récupérer ça, recharge voir ça. Alors, faut passer par où? Il est où le gars? Je le vois plus. Ah ta mère. Ouh, tu cherches la merde toi. J'ai pas tiré dans la tête, fais chier. C'est bon, il est sec. Ok, nickel. On a un peu de balles, mais pas des masses. Hein. Ça recharge, voilà. Ah, la manière dont il recharge, c'est très drôle. Tac, récupérons les crédits. Bougeoir. Je récupère ça. Bon. On a peu de balles avec cette arme, donc on va économiser. Donc restons sur le fusil électrochoc. Juste, voilà, vérifions s'il n'y a pas d'autres munitions dans le coin. Genre par là, par exemple. Non, là, il n'y a rien. Il y a juste un camion qui brûle. Ouais, je pense qu'il y a rien d'autre. Bon, allez, on est parti. On continue. Donc là, une petite grenade flash. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Ah non, par contre, ouais, non mais... La petite déception, hein, c'est... Tu peux pas tirer très loin. Explosif à détonateur, très bien. 5 cartouches de fusil à pompe. Je prends. Oula. Non, fait trop de bruit.
juste toi, va-t'en. Bon, je me suis repéré, ça sert plus à rien. Prends-toi ça, toi. Attention. Oh, t'es mort. C'est cause. Bon, ça va, j'ai une bonne aim avec le jeu, c'est plutôt bien. Je fais souvent des petites têtes. Oh, tu veux quoi? Attends, il est là, je suis sûr. Il est là. C'est un petit derrière, fais gaffe. Tiens. Voilà, donc on peut faire ça. Soit on l'assomme, soit si je le reste appuyé sur A vers lui, ça le. Je vais vous montrer après. Ça le. Ça utilise une énergie pour le. Faire un genre de glory kill en fait, mais. Ouais, connard. Il a pas pris sa balle. Tiens, prends ta balle. Voilà, c'est bien. Fier de toi. Toi. Toi, voilà. Voilà, nickel. Il s'est pris une bonne petite décharge dans la. Alors toi, je sais pas. Voilà, hein. Un pistolet, c'est pour tirer. C'est pas un vibro. Bref. Ah non, il y a un truc que j'ai récupéré que je ne veux pas. C'est ça, casse-toi. Jeter. Voilà. Toi, je prends. Bouge. Ah oui, nickel, je prends ces fléchettes. Mais. Bah alors. J'ai eu peur. Ça bug. Le jeu qui lag. Enfin, qui lag pas, mais il y a des bugs des fois. Alors, toi. Je t'ai fouillé, toi? Non, je t'ai pas fouillé, toi. C'est bon, on y récupère de plus en plus de munitions avec cette arme. C'est plutôt cool. Il y a ça aussi, mais alors ça. Ça je le garde mais je le vends après. Parce que je trouve ça nul. Enfin, je m'en sers mais je le vends souvent après. Je me suis fait repérer. J'ai l'impression de me laisser repérer, oui. Effectivement. Ah ouais, non, ok. Oui, je sais où on est. On va passer par là, ça sera mieux. Je vais vous montrer un truc, regardez. Regardez, ça va être très drôle. Je dois taper sur A. Voilà. Un peu violent mais... Ça va. Il y a plus violent quand même. Hein. Mais ça me consomme une énergie. Énergie qui recharge toute seule. Les deux premières batteries, elles se rechargent toutes seules. Après, les autres que t'as. Ouf. Je sais pas comment j'ai fait pour le tuer lui. Les deux premières que t'as. Donc elles se rechargent toutes seules. Par contre, après, t'en auras d'autres. Et par contre, elles faut utiliser des barres d'énergie pour les recharger. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Tu veux quoi, toi? Casse-toi, toi. Dégage. Ah. Oh. On va utiliser un petit analgique. Antalgique, analgique, bref. Toi, prends-toi ça. Toi. C'est gentil, prends-toi ça. Et toi, meurs. Voilà. On est bon. Tiens, on va se augmenter un petit peu la vie. Utilise voir ça. Profite que ce soit un peu calme. Hein. Lui, il a rien sur lui. Okay. Bon petit whisky là. Mmh. Je rigole, hein. C'est une blague. J'ai horreur du whisky. Je trouve ça dégueulasse. Que ce soit Jack Daniel, peut-être Jack Miel à la limite, c'est pas mauvais. Mais tout ce qui est Jack Fire, Jack Daniel, les trucs comme ça, là, les grands whisky, non, c'est, j'ai horreur du whisky. Que je déteste. Bref, voilà. Après cette, cette... Et pourtant j'en vends, hein, des whisky, j'en vends à longueur de journée, mais... Mais non, non, pas mon truc. Bref, après ce passage alcool, on va pouvoir continuer notre aventure. Alors, faut aller où maintenant? Il y a les toilettes ici. Ouais, ok. Alors si je vais là. Ok. On va aller là. Une petite binouse. Ça j'en ai pas besoin. Faut pas que je ramasse d'ailleurs, hein, le fléchette tranquillisant. Parce que ça c'est pour le fusil tranquillisant. Que je n'ai pas du coup. La bière, prends-la. On est à quoi? 130 PV maintenant? C'est bien.
Ça augmente les PV, ça c'est plutôt cool. Tac, ouais. Là, y a rien. Ici, c'est des vestiaires, y a pas mal de casiers à fouiller. Donc ça, je prends, même si le fusil d'assaut, je l'ai pas encore. Vu que moi, je sais que quand j'aurai le fusil d'assaut, il me servira beaucoup. Ça, je prends, merci. Là. Tac, 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 tac. Fusil d'assaut, j'ai tranquillisant, je prends. Ça, je prends. Tac. Le fusil. Là, ça, je prends pas, j'en ai pas besoin. Tac, tac, tac. Ah, le but c'est de fouiller aussi dans le jeu. Il y a beaucoup de trucs à fouiller. Et moi, vous savez que je fouille tout le temps. Que ce soit dans Resident Evil. Ça, c'est les missions pour revolver. Que ce soit dans Resident Evil, The Last of Us. Tous les jeux, je fouille tout le temps. Et je trouve ça bien. Il y a un côté plaisant, je trouve, à fouiller des fois. Là, c'est quoi ça mène où? Ok, mais pas, on va pas aller là pour le moment. Il n'y a pas besoin. Donc ici on y est allé. Bah on vient de là. On vient d'ici. Ouais, ouais, ok. Et bah c'est bon, on va pouvoir continuer. Tac, c'est par là qu'il faut aller. Jensen, je viens d'essayer de déverrouiller la porte des labos de montage. Mes codes administrateurs ne fonctionnent pas. Quelqu'un a modifié les protocoles. Quoi? Vous n'avez pas colmaté là? J'y travaille. Mais tant que je n'ai pas identifié cette faille, vous devrez pirater la porte manuellement. Terminé. Bon, alors on arrive. Donc, si je maintiens table, normalement, voilà. J'ai le tutoriel du piratage, mais je m'en fous, je vais vous expliquer moi-même. Donc, voilà, il faut un code, sauf que le code, je l'ai pas. Si j'avais le code, il apparaîtrait juste ici. Il y a écrit pas de code, bah à la place de pas de code, normalement, il y aurait écrit le code si je l'avais. Mais je ne l'ai pas. Juste par pur acquis de conscience, techniquement, je suis censé. Bah, j'en ai pas là. J'ai aucun code dans les mails que j'ai eu. Donc, niveau de sécurité 1, et c'est resté en 5. C'est le premier piratage du jeu, je vous explique. En gros, ça, c'est comme un... En gros, ça c'est le virus, donc c'est ce qui empêche le piratage. Et nous, on doit choper ça, c'est le terminal d'accès de la porte. Donc, il faut passer par les nœuds. Donc ça s'appelle les pare-feux en fait. Imaginez que ça, c'est comme si c'était des VPN en fait. Et nous, on part de là, notre... Donc ouais, ça servait à rien de faire ça. Ça c'est pour protéger notre programme de hack. Et le but en fait c'est de capturer les pare-feux. Bon, c'est le premier piratage, donc il est assez facile, donc voilà. Accès autorisé. On passe par un pare-feu pour accéder au terminal. Mais là c'était un piratage très facile. Et il y a 5 niveaux de piratage. Et le niveau 5 c'est assez chaud quand même, hein. Mais bon, là c'était le premier piratage du jeu, il était assez facile. Alors, ok. Ah! Ouais, ici, vous voyez, le fusil tranquillisant aurait été utile. Mais bon, faut donner un petit peu de contraintes aussi, des fois. Parce que, à chaque fois, je fais au fusil tranquillisant. J'ai eu peur. Alors, techniquement, le gars, il me voit, hein. Désolé, jetez un coup d'œil. Mais quand cette bombe aura sauté, il y a beaucoup d'autres. Butez-le ! Non ! Mais tire-le en tas, bordel ! Ça, c'est à cause du truc, là. T'as dégage ? Je vais mourir, je vais sûrement mourir. Oh, c'est bon, non. On gère. En fait, on gère. Qui veut quoi, Will Smith, là? Je sais pas, il ressemble à Will Smith, le gars. Te dégage. Toi. Non, casse-toi. Mais il court. Ah, j'en ai marre. C'est de la merde, ça. J'ai oublié de cliquer sur Shift. Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. J'ai oublié de cliquer sur Shift. Bon, ça arrive de se tromper. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Le jeu est peut-être dur, mais au moins. Donc en fait, je me suis trompé là. Le premier, je me suis fait repérer parce que quand j'ai fait ça, je sais pas voilà, ça a fait ça. Ça a fait exactement ça. Regarde, hop. Dès que je baisse ma souris, il monte. Donc du coup, ça change totalement mon curseur de place et c'est chiant. Donc là,
Bon, je me suis encore fait repérer là. Oh, ça arrive. On va y aller de manière bourrine. Casse-toi. Non, mais. Voilà. Mais comment t'as, t'es pas mort? Je t'ai tiré dans la tête. Meurs, prends tes balles. Toi, meurs, prends tes balles. Prends-toi. Prends tes balles. Voilà. C'est bien. Prenez vos balles. Ils sont pas morts. Il est là. Toi, je vais te voir comme ça. Voilà. Meurs. Alors, on va récupérer le pistolet mitrailleur là. Normalement. Ouais, parfait. Toi, donne-moi ton arme. C'est quoi ton arme que t'avais, toi? Rien. Bon, c'est pareil, on a le pistolet mitrailleur. Et le pistolet mitrailleur, eh ben, des fois il peut être utile. Il peut s'avérer assez utile. Ça, c'est de la merde. Reprends voir ça. Ouais, ouais, c'est bien. Voilà. Oui, on a déjà 35 balles de pistolet, c'est cool. Il y a un carnet électronique. Avec un code, voilà. Donc, nouveau code d'accès ajouté. Ça veut dire que si jamais j'ai une porte avec un code, et eh ben, il se peut que la porte avec le code, ben, le code que j'ai récupéré soit le code de la porte. Vous avez compris ou pas? Je sais même pas si moi j'ai été clair. Ah, là, c'est pour sauver les otages. Eh ben, je crois que le code que je viens de récupérer, justement, c'est le code de la bombe. Vous allez voir. Donc nous on vient de là, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, là il y a aussi là où on peut aller. Ça c'est quoi? Juste une salle à explorer, très bien. On va récupérer ça, ouais, ça peut toujours être utile. Et là-dedans il y a quoi? Une... Après les grenades tranquilles, les grenades c'est pas ce que j'utilise le plus en fait. Enfin, c'est les grenades flash, moyennement. Des fois j'utilise, des fois non, ça dépend. Bon, on va aller sauver les otages. C'est annexe, mais on va quand même le faire. Ça vaut toujours quelque chose. C'est si tu les sauves maintenant, t'as une quête annexe qui apparaît après. Donc, oh, ouais, je me suis fait piéger. C'est pas grave. Bon, alors, attends. Il reste 20 secondes. Allez, on se grouille. Bon, on a le code. Alors, 1. Non ! Non ! 1, 5, 0, 5. Nickel, c'est bon. Désactivé. Voilà. Ouais, 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 nickel. Richard, informez Sarif. J'ai trouvé les otages. Et je lui annonce une bonne nouvelle. Ils sont en sécurité. L'ordre n'est pas bougé. Le SWAT devra les évacuer dès que j'aurai le prototype. Mais j'ai même pas... Je vais le dire à Sarif. Mais faites vite. Je leur ai même pas parlé. Attends, on va leur parler. Écoutez-moi. Je veux que vous restiez calme jusqu'à l'arrivée du SWAT. Personne ne crie. L'usine n'est pas sous notre contrôle. Comment ça? Mais ces terroristes, ils ont ma femme. Votre femme? C'est la directrice de l'usine, Josie Thorpe. Ils l'ont forcée à aller ouvrir le bâtiment administratif. Ils cherchent des preuves, apparemment. Je vous en prie, on ne l'a pas revue. Vous devez la retrouver. Je m'en occupe. Mais dans l'immédiat, restez tous ici et attendez la police. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Mais dépêchez-vous. Vous dites qu'ils cherchent des preuves. Quel genre de preuves? Je l'ignore. Ce sont des puristes. Ils croient que le corps est sacré et ne doit pas être dénaturé. Ils veulent sans doute prouver que nous agissons de manière immorale. Ils sont au courant pour le typhoon? C'est un contrat top secret. Ils ne peuvent pas savoir. Et puis il n'est là que depuis quelques heures. Je vous en prie. Ils devaient penser que personne ne travaillait aujourd'hui. Et maintenant ils sont acculés. Retrouvez ma femme, s'il vous plaît. Ouais, t'inquiète, je vais te retrouver ta femme. On se détend. Bon. Du coup, non mais... Pff, bon, c'est pas, on s'en fout, c'est juste une grenade à flash. Mais... C'est quand même chiant, je vais juste faire ça. Hein. D'ailleurs, c'est quelle touche pour la grenade? C'est G. Oui, c'est G, sûrement. Bref. Faut aller où? Je sais plus. L'homme con. Non, oui, voilà, c'est bon, je m'en souviens. Soit tu passes par là. On va passer par là, d'ailleurs. Non, ça fait du bruit. Bonjour. Ah. Bonjour.
T'inquiète, tu vas avoir la même toi. Tu vas avoir droit à la même. Tiens, prends ça. J'ai plus de batterie, je suis sûr. J'ai plus de batterie. Je suis dans la merde. Tac, tac. Par contre, je suis en alarme. Faut faire attention. Tu veux quoi, toi? Alors par là. Eh, bonjour. J'adore cette arme. C'est peut-être un truc de près, mais j'adore cette arme. Non mais j'aime bien, moi j'aime bien. Bon, ensuite, il y a une caméra là. Non, il n'y a pas de caméra, c'est bon. Il y en a une là. Boum. Alors attends, faut qu'on se repère parce que j'ai envie de tout explorer. Donc là, ok, donc là on vient de là nous. Donc nickel, c'est bon, parfait. Ensuite, si je vais tout droit là. C'est pareil, on vient de là aussi. Ok, c'est la même salle, très bien. Donc, là, nous on a déjà exploré ici. On s'en fout, ta gueule, Elisa Kassan. Tu nous casses les coups. Bref, c'est pas un bon jeu de mots ça. Ouais, ok, du coup on peut continuer. Burn in hell, brûle en enfer, Sarif. Pas très sympa. Est-ce que j'ai le code? Avant, on va vérifier si j'ai le code. J'ai un carnet électronique. J'ai le code? Non. On va pirater. Hop. Alors, ok. Pas très compliqué. Bon, c'est pareil, c'est les premiers piratages du jeu. Rien de bien compliqué, rien de bien méchant. Le problème, c'est le virus qui va très rapidement. Ah non, c'était de l'autre côté. Oh, je crois que je suis dans la merde. Non, c'est bon. J'ai eu peur, mais on est bon. Accès autorisé. Parfait. Oh, ça va encore bugger ici. De toute façon, dès qu'il y a un temps de chargement, ça bug. Hein. Il y a des freezes, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je disais? Alors là... Ouh, ok. Je vois. Un peu méchant. Attends une seconde. Alors, on va dégager des trucs. Genre, ça, on va le dégager. Faudrait qu'on... Alors. Toi. Toi, d'abord, tu vas... En position 1. Toi, c'est bon. 2. 3, ça. 4, ça. Ensuite, les barres... non, d'abord, on va mettre les analogiques, mais on en a plus. Bon, c'est pas bon. Alors, on va mettre ça. Les grenades, c'est bon, ça reste en 6. Et... Le reste, on est bon. Ça, il faudra le dégager, mais je crois qu'on peut pas le dégager. Donc, on s'en fout. Je vais me faire repérer, moi, si je fais comme ça. Bonjour. Ah, nique ta mère, hein, c'est bon. Tire, prends tes balles, toi. Voilà. Ça, c'est fait. Salopard! Salaud! Philippe! Je sais où tu te caches! Sale enculé! Bonjour! Prends-toi! Prends-toi ça, toi! C'est cadeau! Je te l'offre! J'ai quelque chose pour toi. Non! Je m'ai loupé! Oui, moi je cause très bien la France! Oh l'enfoiré, il s'est baissé! On se croirait dans Valo là! C'est plus de munitions! Tu sais quoi? J'ai pas envie de rigoler avec toi en fait. Tiens, prends-toi ça. Meurs. Ah non. Tu veux pas mourir? Bon, va te faire foutre en même temps à un moment. Non? Tu veux pas? C'est bon, t'es mort? Ok. Trop facile ce jeu. Je rigole, c'est une blague. Il est quand même dur. Je fais le malin maintenant, mais des fois, faudra serrer les fesses. Hein. Parce que c'est quand même un jeu qui est assez dur. Je vous mens pas. Ensuite là, c'est une salle explorée. Oui, il y a 2-3 trucs à récupérer, je suppose. Ouais, amélioration de dégâts. Eh, ça c'est cool ça. Alors, combiné. Je le combine directement à mon pistolet. Voilà. Je ne cherche même pas à comprendre. Voilà, les packs d'amélioration comme ça, c'est pour les armes. Après, on pourra avoir des visées laser, des silencieux,
des améliorations perce-armure pour que ton arme puisse percer les armures des gardes, logique. Après t'as quoi? T'as les dégâts, la cadence de tir, la capacité de munitions, t'as plein de trucs. Voilà, t'as des packs d'amélioration que soit tu les achètes chez un marchand, soit tu les trouves un peu partout dans les chapitres, dans les niveaux. C'est assez cool. Là y'a quoi? Une petite grenade, je prends. Ça je prends. Ok. Nickel. On va aller dans le conduit là. Ah, je crois que je peux. Ouais, mauvaise prise. Je peux pas parce que. Ah si, je peux. C'est bon, je peux les pousser. Et là, c'est où? Ok, bon, on vient de là, nous. Très bien, ça sert à rien donc. Ok, c'était juste un raccourci. Ok. Allez, prenons l'ascenseur et montons. Descendons. On descend du coup là. Ah, voilà, on va avoir du coup les dynamisations. Pour débloquer de nouvelles capacités. Voilà, bon. Alors, on a une dynamisation. Je vous explique. Voilà, on a une dynamisation. Et donc, ceux qui sont en orange, c'est des augmentations qui sont déjà activées. C'est-à-dire celui-là, voilà, bras cybernétique, il est activé. Et pour activer une dynamisation, enfin une augmentation, il faut deux dynamisations et pas une. Ça, c'est pour améliorer l'augmentation en cours, il en faut qu'une seule. Mais pour l'activer, il en faut deux. Et du coup, la première que j'augmente moi à chaque fois, c'est... je sais plus, les jambes je crois, pour courir plus vite. Non, si c'est ça. Si, mais il en faut deux, donc on va attendre une deuxième. Ah, ça veut dire que mon upload est déjà terminé, nickel. On va attendre la deuxième dynamisation. Pour pouvoir faire quelque chose. Sinon toi dégage. Non, la tourelle. Oh, j'ai eu peur. Donc voilà, il y a des tourelles aussi dans le jeu qui peuvent te tirer dessus. C'est logique. Et des fois elles peuvent être de ton côté, mais des fois non. Et il me semble que t'as une dynamisation dans le jeu pour les pirater. Alors je crois que c'est dans celui... Ouais, voilà. Dynamisation des tourelles. Effet d'activer les tourelles connectées, la sécurité ou les retourne contre leurs alliés. Voilà, voyez. Alors moi, il y a un truc qui me fait rire et que j'aime bien faire. La tourelle par exemple, elle est derrière moi, je l'ai contournée. Et en fait je vais la mettre au coin, la tourelle. Ah ouais, non, je peux pas la... Elle est trop lourde, je peux pas la porter. J'ai pas encore l'animalisation de porter des trucs lourds. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais, bon, on viendra ici après. Hop. Écartez-vous du terminal. Vite! Richard, vous êtes là? Où voulez-vous que je sois? Passez-moi ça, Riff. Vite. Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sanders? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème. Bon, très bien. Donc bah, on a vu une scène qui n'est pas très très joyeuse. Hein. Un gars qui s'est tiré une balle dans la tête parce qu'il a été relié par des implants cérébraux. Via un... Enfin, il était relié par... Son cerveau était relié avec des... par des câbles à... un ordinateur, on sait pas trop ce que c'est, enfin, bref. Et du coup c'est pour le Typhoon. Mais bon, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec le Typhoon. Et si vous me demandez ce que c'est que le Typhoon, en fait c'est le truc qu'on a vu au tout début du jeu. À un moment il y a le scientifique qui montre une espèce de... des mannequins qui se font fusiller par des espèces de billes en acier.
Oui, mais non, c'est bon, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Et ben en fait, c'est ça en fait le typhoon. C'est une augmentation qu'on peut avoir qui est. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le typhoon. En gros, c'est un truc que t'actives. Et ça envoie des. L'augmentation envoie des billes en acier très très fort sur les ennemis. Et donc ça les tue. C'est assez utile, mais j'utilise jamais moi. Alors ici on récupère des virus quoi. Alors il y a des virus atomiseurs et des virus arrêteurs. Ça c'est pour les piratages. Ah on a le code, cool. Wind 1000. Ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est techniquement ça c'est pour stopper les caméras et tout, les couper, mais là ça n'a servi à rien. Ça ne fonctionne pas. Bon, ça va, on a 71 balles de pistolet. C'est plutôt bien. Clac. Bon, on va continuer le jeu. Enfin, on va continuer. Parce qu'on a, on a pas encore terminé cette zone. C'est pas totalement terminé. Fouillons quand même un petit peu. Au cas où il y ait de l'argent quelque part qui traîne. Ah si, on a bientôt terminé. Ouais, si, on a bientôt terminé la zone. Enfin, le niveau. Alors, hop. Ouais, non, ça sert à rien de faire ça. Oh. Ah, il y a la SWAT qui est intervenue d'ailleurs, ça y est. Ça, c'est les terroristes. Enfin, c'est les puristes. Et ça, c'est le SWAT. Ça, ils sont enfin intervenus. On va récupérer ça. Toujours utile. Enfin, petite sauvegarde rapide. Comme ça, ça sera fait. Bonjour. Bonjour. Tu ne m'as pas vu. Oh, oh, t'es con. Oh, t'es con. Bonjour. Oh, c'est trop bien, c'est trop drôle. Ah bah non, mais il est moins con celui-là par contre. Là il est plus intelligent, bravo. Oscar qui joue à 5M, tiens. Vas-y, sors ta tête, sors ta tête. Boum. Boum. Je suis trop chaud en fait. Ah, il y en a encore un. Attends, sérieux? Ouais, je fais ce que je veux déjà. Tu me parles sur un autre ton. Qu'est-ce que tu m'emmerdes toi? C'est toi qui es foutu. T'arrives. Moi je m'en fous, je fouille. J'explore. Tiens, voilà. S'en fout. C'est quoi ça? C'est une bière? Non, le menteur est plein, mais sérieux. C'est pas gentil ça. Effectivement, on est bien plein. Ça, on s'en bat les couilles. Jeter. D'autres choses à jeter? Non. Par contre, ça, on va utiliser. T'arrives. C'est ça. Bah, cours toujours, toi. Tu m'auras pas. Ça, je prends. Les revolvers, j'ai toujours pas, mais c'est pas grave. Je prends quand même les munitions. Voilà. Sérieux les gars, fais un effort toi. Toi dégage. Prends-toi un pain. Tac. Toi, t'as rien sur toi. Par contre, t'as ça, c'est bien, je prends. Y'a du monde ici? Y'a personne. Y'a personne, ok, d'accord. Prends cette bière. Alors vous allez voir dans le jeu là, dès que je ramasse de l'alcool, je le bois. Hein, et comme ça, vu que ça augmente la vie, j'en profite. Ça, je m'en fous. Ah, ici, ça va être beaucoup de l'exploration parce qu'il y a des tiroirs à explorer. En plus, déjà de 1, et ensuite il y a des ordinateurs dans lesquels j'ai le code. Parce que
Parce que, voilà. Juste parce que. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et après, une fois que j'ai les codes ordinateurs, je peux aussi avoir... Enfin, ils peuvent me donner accès à des codes de portes. Là, il y a encore des codes, machin. Voilà, bon, là, il n'y a rien. Là, j'ai pas le code. Ah, talon. Ok. Les codes. Code. Ah, des fois ça bug un peu. Tech. Non, pas de code. Je suis pas très gentil, il me donne pas de code. Ovi. Ovid. Tech. Toujours pas de code. Là, j'ai pas le code. Ah là. Putain, je savais pas que j'avais autant de codes. Hydro. Ah, c'est énervant les bugs. En fait, il y a juste à passer la souris sur le mail au cas où vous posiez la question. Et si jamais il y a un code, ça me l'enregistre automatiquement dans le registre. Là, j'ai pas le code. Voilà. Bon, c'était le dernier PC à explorer. Il y avait. Dans tous les PC, il y avait aucun code. Je vais me faire foutre. C'est pas grave. Faut remonter là. Ouais, c'est là. C'est par là, mais attends, d'abord j'explore une dernière fois. On sait jamais. Sur un malentendu, il y a des choses. Sur un malentendu, ça passe. Il y a des choses à explorer. Donc, ne prenons pas de risques. Et explorons. Tiens, qu'est-ce que je disais? Voilà. Toujours important d'explorer. Et là, il y a des bureaux. Non, c'est des toilettes. On sait jamais, sûrement entendu des choses. C'est quoi un bureau ça? Non, encore des toilettes. Bah dis donc. J'aime bien les chiottes ici. Bref. Et là, il y a... Oh bah tu vois les fléchettes, je prends. Allez, cette fois-ci, on se casse. C'est bientôt la fin du niveau. Ça aura été long, effectivement. Faire une petite sauvegarde au cas où. Parce que moi je sais très bien ce qui va se passer là. Allez, on est parti. Arrête de mentir. Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Et si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, tiens. Le chien de garde de Sarif. Tu fais le ménage avant que la police arrive. Il croit que nous enfreignons la loi. La ferme. Les augmenteurs sont tous des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Cholo. Mais il n'y a aucun de ces tarés dans mon groupe. Ah! Recule, l'amplifié. J'ai des choses à faire. Tu comprends? Si ce que tu dis est vrai, et je dis pas que ça l'est, Je dois en avoir le cœur net. Alors moi, à la Vieja, on se tire. Bon, alors, soit on fait laisser partir Zack, là c'est lui là, Zack Sanders, mais non. Essayer de libérer Joyce, affronter Zack. En fait, il faut, il me semble que soit elle peut crever parce qu'il peut l'emporter dans cette porte là et c'est fini et elle meurt et en même temps lui aussi il meurt. Soit tu peux sauver lui et tu peux le sauver lui et elle et après si tu le sauves lui ça donne une quête annexe plus tard. Donc on va essayer de libérer Josie. Je ne partirai pas avec elle. Bouge pas l'amplifié. Dernière fois, recule ou je bute la fille. Connerie, c'est pas votre genre, vous ne tuez pas de civils. C'est vrai, je suis un soldat décoré. Mais j'aime pas qu'on se foute de moi. Je veux savoir qui est derrière tout ça et pour sortir d'ici j'ai qu'un seul atout, je tiens la patronne. Écoutez-moi. Tout ça nous dépasse, vraiment. Votre meilleure chance de découvrir ce qui se trame, c'est de travailler avec moi. Et pour ça, il faut commencer par la relâcher. T'es con ou quoi?
Je bosse pas avec les augmentés. Merde, tu dois me prendre pour un gros attardé. Et je peux pas t'en vouloir. Tu dois pas vraiment être le seul à penser ça en ce moment. Je suis cerné par la police. Et je suis obligé de prendre une otage. J'ai sacrément merdé, hein. S'identifier, humilité. Quelqu'un vous a complètement manipulé, votre équipe est tombée dans le piège. Ça, il faudrait mettre ça. Argumentez, vous êtes convaincu que votre seule chance est de prendre une otage. Vous, on va mettre humilité, vous tiens. Vous devriez éviter de me prendre de haut. Je vous rappelle que vous avez merdé sur toute la ligne. Quelqu'un vous a complètement manipulé. Votre équipe est tombée dans un piège. Et maintenant, vous êtes à deux doigts de vous faire buter. Sauf si vous la relâchez. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Les amplifiés et la police, c'est toujours pareil. Leur obsession, c'est d'avoir le pouvoir. Mais là, maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir de choisir si elle va vivre ou mourir. Et toi, t'as rien du tout, connard. Bah, dis donc. S'identifier, la seule chose qui... Ouais. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils. Comme pour vous. Vous avez risqué votre vie pour aider les autres. Vous n'êtes pas un psychopathe. Moi, je le sais. La question, c'est eux. Ils le savent. Notre opération va droit dans le mur. Mon frère est en danger. Tout ça à cause de ce que ce traître a fait ce soir. Je dois réagir, mais c'est pas en restant ici avec toi que je vais le faire. Là, je crois que c'est le dernier choix. Il va falloir... Bon, bah, de toute façon, je vais m'être identifié, je pense. Hein. Vous n'êtes pas une ordure comme l'homme qui vous a trahi. Vous n'allez pas laisser tomber votre frère comme ça. Le pirate savait parfaitement qu'il y aurait des civils dans l'usine ce soir. Il comptait sur la prise d'otages et aussi sur les flics pour vous faire taire à jamais. Mais vous êtes plus malin que lui. C'est tellement clair! Comment j'ai pas compris ça tout de suite? Ouais, c'est bon, je crois que j'ai réussi. Tu crois que je vais aller gentiment au suicide? T'as tout faux, cabron! Allez, tire-toi! On a même réussi à le sauver, lui. Si tu voulais, laisse-moi partir. Moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai autant intérêt que vous à découvrir qui est derrière toute cette affaire, cabron. Cabron. On verra si j'ai bien fait. Oula, il est en train de bug. Tu peux me croire. Wesh. C'est quoi ce bug de texture? Ouais, c'est bon, on l'a sauvé lui, puis on a sauvé l'otage. Ça, c'est bien ça. Adam, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre situation? Sander, c'est parti. Je crois qu'il s'est fait manipuler. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Merde. Oui. Vous feriez bien de revenir. Il y a un toit de terrasse sur le bâtiment administratif. Farida vous prendra là-bas. Compris. Terminé. Ouais, ouais, cool. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Juste un peu secoué. Et les autres otages? Mon mari était parmi eux, dans un des labos de montage. Et j'ai entendu ces hommes parler d'une bombe. Les autres otages sont à l'abri. Oh Dieu merci. Ces hommes nous sont tombés dessus. Monsieur Jensen, il n'aurait pas dû pouvoir entrer. Avant l'arrivée du typhoon, j'ai revérifié personnellement tous les protocoles de sécurité. Ouais. Et c'est exactement ce que Pritchard doit être en train de faire. Restez ici. La police va vouloir vous interroger. Mais vous allez vite retrouver votre mari. Merci, monsieur Jensen. Vous êtes un héros. Ouais, je sais pas si vraiment le mot héros est le bon terme. Mais bon, tranquille. C'est pas grave. Ouais, du coup, il s'est cassé, Sanders. Mais c'est bien parce que ça nous débloque quelques informations pour plus tard. Bonjour. Ah, attends. Faut ranger son arme pour lui parler. Elle est blessée? Elle va bien. Un peu secouée. Le SWAT va devoir l'interroger, mais ça ne sera pas très long. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que j'avais perdu tout espoir. Vous êtes un authentique héros. Je vous revaudrai ça, comptez sur moi. C'est inutile. Je n'ai fait que mon travail. Ne soyez pas modeste. Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure, monsieur Jensen. Je sais que vous ne devriez même pas avoir repris le travail. Mais je suis bien heureux que vous soyez venu quand même. À très vite. Voilà, c'est fait. Au moins, on a réussi à les sauver les deux. Parce que typiquement, tu peux ne pas les sauver, mais c'est... Voilà. Après, sauver les personnages dans les jeux, c'est bien aussi. Bien, bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va pas parler à Farida. Ça ne sert à rien pour le moment. Enfin, c'est à partir de la mission, reprendre une cinématique qui durera encore 3 plombes, ça ne sert à rien. Donc du coup, les amis, on va s'arrêter là pour ça. J'espère que vous aura plu. Si il vous a plu, like, partage, un moment. Vous connaissez c'est lequel? C'est celui-là, hein. Il y a un truc, ça arrive.
On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Like, partagez-moi, vous connaissez la chanson. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.